العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الإمام رحمه الله سبحانه وتعالى qu'Allah subhanahu wa ta'ala va être la paix et son miséricorde en abondance de son habib Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour son faveur et qu'il fait avec nous après un congé qu'il nous prend pendant le mois de Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne faveur et nous bénéficie avec Ramadan. Ensuite, voilà, nous répondons une leçon concernant Fiqh al-Usra, c'est-à-dire comment un cellule familial qui fonctionne d'après l'islam, d'après la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'après l'enseignement de son Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'après l'islam, nous venons apprendre les versets concernant le mariage lui-même, son but, son objectif, son importance. Ensuite, nous apprendons comment faire un nikah d'après le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous apprenons le devoir et responsabilité de chacun dans sa couple, monsieur et madame. Maintenant, nous risquons ma session, Inch'Allah, pour terminer sa série et la leçon concernant Fiqh al-Usra. Nous reste 4 ou 5 sessions, Inch'Allah. Alors, aujourd'hui, nous pouvons équiper. Un conseil, un step qu'un dimanche prend afin d'éviter un problème dans une famille. Et ensuite, la semaine prochaine, Inch'Allah, nous vous dit comment résoudre un problème si n'arrivez plus dans un problème et un dérapage. Et ensuite, dans les trois dernières sessions, nous pouvons identifier comment le système des talaqs, les déroulés, les appelés sur la place de Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, concernant le problème qui est capable de faire face, qui est capable de surgir dans une famille, et comment pour éviter un problème ou bien comment pour minimiser un problème et en rester à travers parce que un facteur important, un point important que nous avons en fait sans islam, il va exister un couple, une famille qui n'a aucun problème. Il va exister ça dans la pratique. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa khuliqa al-insan da'ifa, l'insan qui est créé avec une faiblesse, avec un enfant. Donc, nature, l'insan, ça, il est pour faire erreur et il est pour le c'est nature qui sent. Donc, le fait qu'il sent, il fait, il est normalement, et avoir une crédit avec sa mort-là, avec un but, un objectif précis, ça c'est. Donc, bizarre, ça va être dérapage, bizarre, ça va être rien. Donc, bizarre, ça va être problème. Si Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas un petit raillement, il n'a pas un petit problème qui est sûr dans son ménage, alors nous ne pouvons pas attendre nous, pas pour notre problème. Alors au départ même, ça nous est clair dans l'esprit. Attention qu'il nous croit que quand on
y a un problème, il va dire, on va dire, mais moi, il finit dégringolé. Non. Deuxième point important, faire son islam, c'est que la source de sa main problème. La source de sa main problème. Problème, il est capable d'arriver entre les deux principales concernées dans une famille, dans un couple, veut dire Azawj ou Azawj, monsieur et madame. Les deux principales concernées. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, « Wa'ashiruhunna bil ma'ruf » Il a dit dans le Coran, « Wa'ashiruhunna » Vive avec la madame, « bil ma'ruf » dans une bonne façon. Vive avec la madame dans une bonne façon. Sans doute, salaud, lui adresser directement à madame, à monsieur, pour vivre avec madame d'une bonne façon, mais il réciproque ça. Allah subhanahu wa ta'ala lui adresse ça à monsieur parce que normalement c'est monsieur qui en sort. Mais en même temps, ben madame aussi est supposée vivre avec monsieur d'une bonne façon. Il y a un double trafic. Alors, le problème lui arrivait quand n'importe un entre les deux, il va pas remplir son rôle comme doit être. Et il va pas descendre son responsabilité comme doit être. Il va faillir et il va pas donner son contenu, son hack, son droit de l'humanité. Un point important encore, normalement, la nature est du monde. Alors, subhanahu wa ta'ala, il crée l'insan avec sa nature. Alors, il crée monsieur, il crée madame. Des créatures différentes, physiquement, biologiquement, mentalement, spirituellement. Peut-être spirituellement, même dans la spiritualité aussi, il y a une différence. Même dans la spiritualité aussi, il y a une énorme différence. On a péché madame. Et il y a un moment où peut-être madame n'a qu'à être là, il n'a qu'à avoir deux autres. Avoir une crise à des créatures-là différentes, chacun avec ce droit, chacun avec son responsabilité, et chacun pour remplir un rôle spécifique. L'eau, la terre, l'eau, sur la terre, l'eau, et de nature, un madame, ce qu'il attend avec ce péché, c'est l'affection, l'attention. Un madame, il attend avec ce péché, qui ce péché dit, montrer qui sa madame-là a une importance dans la vie. Et la cause à madame-là a une importance dans la vie, liant les temps spéciaux pour le lit. Liant les temps spéciaux pour le lit, pour prendre compte, pour prendre soin. Et pour donner sa affection qu'il mérite. Sa l'amour, sa tendresse qu'il mérite. Et parallèlement, un monsieur, son nature, ce qu'il attend avec son madame, c'est le respect. Le respect. Et bien un respect sans l'obéissance. Donc, rattaché avec le respect dans l'obéissance. Un monsieur, il attend de la voix de son madame,
elle recevait une obéissance. Et sa madame lui montrait son péché qui mouille. Sa péché-là, il a une importance dans son avis et il a disposé pour obéir à lui. Et sans doute, pour obéir à lui et de lui le respect qu'il voulait. Donc, l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce qui est halal, dans ce qui est permissible, aussi longtemps qu'il, mais chez là, on est au-devenu pour faire quelque chose qui est haram. Comment tu expliques en détail, dans l'esprit concernant le devoir et la responsabilité. Ensuite, sa respect et sa obéissance de la voix de son madame, et de l'autre côté, madame qui atteint sa l'affection, sa l'attention de la voix de son monsieur, bien qu'il soit ce qui vient, il continue ça. Il va commencer avec un et terminer avec l'autre. Non. Il y a quelque chose qui continue et en même temps ça. En même temps que Michida qui les donne, madame là sa affection, en même temps madame là qui les donne, Michida sa respect. Mais là qu'il tourne en rond. Sinon, on va nous dire qu'il vole mal. Alors bien souvent, le trouble dans un couple, chacun dans sa couple-là, chacun sa coordonnée, qui lui est à lui, les pédales qui sont coordonnées de lui, ce droit, quand le donne de lui, ce droit de la vie, de la seule droite. Alors monsieur là, attend quand madame là, pour donner son respect, elle a donné l'attention. Et madame là, attend quand monsieur là, pour donner l'attention, elle a donné le respect. Finalement, ça gagne sa main. Finalement, ça gagne sa main. Mais alors, ce que nous pensons, on va aller, on va se laver, il enseigne nous. Pour qu'il nous donne sa quête, son droit. Même si lui n'est pas de nous le droit. Même si lui n'est pas de nous le droit, donne-lui son droit à toi. Ensuite, tu as ce droit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et un grand erreur qui vient souvent nous faire, qui vient pas quand il arrive un problème, alors nous croyons que nous ne venons aucune responsabilité là-dedans. Nous corrigeons, nous pas en fait. Alors, nous avons toute qualité argument, toute qualité prétexte, toute qualité excuse pour prouver qu'il nous prend à être responsable. Et tout défaut avec lui, nous nous confions. Alors que ce que tu viens faire en premier, c'est analyse nous-mêmes. Et que n'êtes-vous? Mais qui m'a pas de responsabilité, moi, pour que finalement arrive sa problème? Quand mon responsabilité pour qu'il arrive un problème pareil, quand mon manteau. Et essaye pour corriger mon défaut. Et si chacun fait ça, problème résolu. Bien rare, ne pas dire qu'il n'a pas existé, mais il est bien rare ça, qui confine à arriver un problème pour des personnes, un seul la donne est 100% responsable. Le delà lui, il ne peut avoir aucune responsabilité, il n'est pas en tout du tout, un seul qui est 100% responsable. Bien rare arriver ça. Qu'il soit un seul familial, un monsieur et madame, qu'il soit un parent, un enfant, qu'il soit un frère, sœur, qu'il soit un voisin, collègue de travail, ou bien un autre qui
bien rendre ça qui confine à qui même problème, un seul qui reste responsable alors à 100%, le grade de leur tête responsabilité. Il va rentrer au Djibouti. Non. Ne pas dire qu'il n'y a pas existé dans les pays avancés. Majorité des fois, responsabilité là qui partagée entre les deux. Alors, au lieu qu'ils vous voient défaut vos camarades et vous montrer lui son défaut et vous faire comment dire, vous n'avez aucun défaut moi. Avant tout, vous-même vos défauts et corrigez vos défauts moi avant. Et comment dire, si ça qu'elle fait ça, le problème résolu. Au lieu qu'ils voient vos voix pour droit et vous la guerre pour vos droits, si c'est ce qu'on disposait, vous donne chacun ce droit. Et si tout le monde donne chacun ce droit, il n'y a aucun problème, mais je passe à la guerre sur moi. Un des bandes raison principale. Une des raisons principales pour le problème de dominance, c'est désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala veut dire un couple qui fait bâtir la vie des couples. Basant le haram, le désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment se mettre à partir qui fait créer sa relation. On va lui expliquer dans les passés, le dire, quand on sorti lui-même, il est content, et bien l'étape qui fait dérouler après, avant mariage, le haram, la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Sans prendre compte la limite qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut décréter et peut prescrire. Ensuite, dans la célébration de l'Iqar, avec ce remplissage des coutumes qui fait adopter avec les autres et qui parfois même totalement en contradiction avec dit Allah subhanahu wa ta'ala dans l'Arabe. Et ensuite, après l'Iqar, après mariage, et la vie des couples que paix dans les licences de Allah subhanahu wa ta'ala. Sans doute, un peu pareil, barakat Allah subhanahu wa ta'ala enlevé. Et quand barakat Allah subhanahu wa ta'ala enlevé, résultat, paix dans doute, des coups catastrophes. Parfois, nous trouvons. Mais chez Alhamdulillah, il fait un, il a envie de vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il reste dans la limite qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut prescrire. Il évite la haram dans son avis des couples. Mais de l'autre côté, madame lui, moderne. Parfois, on trouve que madame Alhamdulillah, il peut faire ses efforts pour vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et reste dans la limite qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut prescrire pour lui. Mais de l'autre côté, monsieur, il a besoin de live. Monsieur, il a besoin de live. Il a besoin de montrer qu'il est moderne. Parfois même, jusqu'à ce qu'il impose de son madame pour faire quelque chose de haram, pour habiller de manière façon indécent, parce que quand elle va se rendre, il a besoin d'arrêter. Attirant. De la paraître civilisée. Quand tu vas prendre un camarade, tu ne veux pas être civilisé, tu ne vas pas être barbare. Alors sans doute, quand on peut comparer, mais sans doute, les gens amènent vers un problème. Parce que
barakat Allah subhanahu wa ta'ala yang mengalami. Parfois, le gros problème, la cause, même, les enfants. Parfois, le gros problème, la cause, même, les enfants. Un cellule familiale, il commençait par l'union d'un monsieur avec une madame, c'est totalement étranger, mais ensuite, sa cellule familiale est élargie. Il n'y a pas juste restreint avec sa monsieur et sa madame. Et là, beaucoup de réactions qui créent. Comment vos pères, vos mères, belle fille, belle-sœur, belle-sœur, beau-frère. Et aussi, mes enfants. Et aussi, mes enfants. Et s'il faut aussi sinon, comment pour élever un enfant d'après l'islam, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, d'après l'enseignement des Rasoul, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais si ça aime et n'applique à ces choses-là. Juste une cause de la haine et n'applique à ces choses. Mais en vrai, comment va le problème du sujet? Comment va le problème de faire face? La cause enfant. Quand parents, pardon, prend cette responsabilité envers les enfants. Parfois, qui dit son péché, qui dit son madame, le diamant, papa, tout le monde. Par contre, prend son responsabilité, alors, chacun des les enfants, les enfants vont dire quoi en vie, camarades, l'environnement, vers ce qui en vie, les enfants. Parfois, on trouve, par contre, on trouve papa, il peut prendre son responsabilité. Et il est heureux. Élever ses enfants d'après l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'exemple, il est arrivé solaire, alors que son enfant partait dans la zine. Il n'est pas solaire. Alors d'un côté, il vous trouvez en matière. Et laissez la petite tira. Ah, c'est la même. Il y a l'examen des mêmes j'ai révisé par les limazines là. Laissez. Maman vous soutirez. Ou bien plus pire, parfois, il va vous y soutirer, mais parfois même, en faisant ça, il est capable même d'insulter le péché-là et humilier papa là devant son propre enfant. Mais toi, quand je suis dans ce là, tu es dans la soie, de béger à la masine, puis toi, quand tu sais que la salle, tu es dans la soie. Subhanallah. Alors ce résultat, sans doute, pour leur problème. Résultat sans doute pour leur problème. Parfois, nous trouvons maman avec votre bébé, sérieux, et contrôle sur son enfant. D'après l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, de la côté, papa, il vous m'a dit à ce groupe, pour le monde, pas pour la réaction. Il va pas être dans rien, il va pas être dans rien, il va pas être dans rien qui va arriver. Papa qui soutient cette boîte. Donc, pour qu'un cellule familial roule bien et minimise pas de problème, il faudrait que maman et papa tous les deux, monsieur et madame tous les deux, l'ont essayé dans le nom et sont compatibles l'un à l'autre. D'après l'obéissance, l'enfant souverain à Ouadala, et puis dans l'incompatibilité entre eux. Sinon, finalement, ce qui arrivait, soit, quand papa peut remettre, il strict, d'après l'enfant souverain à Ouadala, et maman peut se tirer, ou bien les contraires, maman peut remettre, il strict, et papa peut se tirer, les enfants finalement qui arrivaient. Les enfants finalement, les perdus respect pour papa. Parce qu'il trouve, maman peut soutirer. Il compte maman, il dit, il pour papa. Quand il trouve, papa peut soutirer. Il compte papa, il dit,
ya so ni sa ka no e ka bo ni alors pas pas ministre compris et il peut dire ce que moi ou bien dire côté si ma mère se tire il peut dire ce que papa parce que là ça tu as fait ça y aller. Donc finalement, les enfants qui perdent le père, les enfants qui perdent le père, et ils vivent dans le tourbillon. Parfois, maman, papa, tous les deux, mais votre bébé, c'est rien d'après l'obéissance, quand on se prend un peu à Dada, mais on trouve de l'autre côté, Dada l'a dit, ou bien tcha 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 tchi. Qui vient nous sac, qui vient nous problème. Parfois, le problème qui surgit la cause entre bénéficiaires et bénéficiaires, des frères et des enfants, à le 5 enfants, l'autre enfant là, problème. Parce qu'il y a un gars qui a envie, comme on dit aux enfants, d'après l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, d'après dîner Allah subhanahu wa ta'ala, mais de l'autre côté, bénéficiaire dit, à ce qu'on s'en fera avec son maman-papa. Les bégayes contrôlent. Quand s'en fera qui n'a pas de tchatchi, qui n'a pas de cousin, cousine, mais n'a pas de contrôle. Donc, qui nous devons faire comprendre ce qui problème là, qui met à l'excès la source. Problème là, n'est pas capable d'en plusieurs façons. Sur l'origine, il n'y a pas différent. Donc, un parent, un couple qui peut vraiment envie minimise pas le problème. Dans la vie des couples, dans la famille, les bisous contrôlent tout ça va être différent aspect. Tout ça va être différent source. Parfois, nous trouvons et un élément plus grand problème. Un élément plus grand problème dans une famille, problème belle-mère, belle-fille. Belle-mère, belle-fille. Comment dire que dès qu'ils sont incompatibles, incompatible aussi longtemps qu'il ne parle de vivre d'après l'islam. Mais ce que je vis d'après l'islam, il est compatible. Et là, un point important, c'est qui s'empêcher. Celui qui cherche de la famille, celui qui cherche de la famille et il gagne sa responsabilité là. En rassurant son rassurant, il dit wa rajul ra'in ala bayti ba'dihi wa rajul ra'in ala ahli baytihi wa huwa mas'ulun anhu. Un monsieur, lui responsable sur la famille, sur madame, sur son enfant, sur la famille, et il doit être questionné concernant sa responsabilité. Un monsieur, comment Allah subhanahu wa ta'ala dit Awamoun, il a un degré de supériorité, il a une autorité, une responsabilité envers la madame. Bon, enfin, on trouve un monsieur qui abandonne sa autorité et il laisse sa autorité là dans la madame. Alors, sans doute, c'est catastrophe. C'est catastrophe. Quand madame vient prendre contrôle, vient prendre l'autorité, définitivement, c'est catastrophe. Comment Rasoul Hassan de Père nous connaît, sa peuple, une madame à la tête, au contrôle sur les affaires, sa peuple, elle s'en va prospérer.
Mais de l'autre côté, parallèlement, il y a une autre qualité de chef qui, sa autorité, qui a Allah Subhanahu wa Ta'ala fait de lui, lui fait ça bien, tic-tac-tac. Lui fait ça bien, tic-tac-tac. D'exacerber dans sa autorité. Qui comprend finalement, pour maintenir sa madame, lui n'a aucune intelligence, lui n'a aucun esprit, aucun raisonnement, lui. Ça n'a pas quelque chose de bon qui lui dit, lui. Tout ce qui doit dire doit pas, comme ça. Ce qui moi, mon Dieu, c'est ça qui moi. Ça a une autre limite. Ça a une autre limite. Le juste lié, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, wa abrumum shura baynahum. Un musulman, un croyant, tous autres bonnes affaires qui passent dans elle, shura, dans une consultation, un entente entre différents concernés. Et ici, nous déposons, monsieur, madame, sa consultation, il y a tout niveau ça. Un niveau de l'État, un niveau de la société, un niveau de l'organisation, un masjid, aussi bien un niveau de solide familial. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un nouvel exemple. Et un nouvel exemple pour moi, il fait prendre conseil avec son madame dans plusieurs occasions. Il prend conseil avec son madame et l'idée du madame. Lui, il finit accepter et il finit mettre en exécution. Plusieurs exemples dans tout ça. Si Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui fait des wahid avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wahid qui fait des actes pour lui, lui vend de la monde pour lui prendre conseil de son madame et accepter sa conseil là et mettre en exécution. Mais nous, qui est spécial, nous dit. Jamais nous madame pas capable de nous conseiller qui vont. Jamais nous madame sur l'opinion, pas capable de médier qui nous dit l'opinion. Tu es dans deux opinions qui visent à surveiller. Toi, c'est que tu peux dire ça à tes enfants. Pas besoin de mon, pas besoin de mon compte, tu te peux dire quoi. Toi, elle a dit, tout ce qui te madame dit, fais les contraires. Ça aussi, hein. Tout ce qui te madame dit, non, fais les contraires quoi. Parce que tout le temps, il y a ce qui parle. Pas dit ça. Pas l'islam ça. L'islam pas pour enseigner tout ça. Donc, vous allez être l'entente. Oui, l'autorité finale, décision finale, c'est pour le chef. Pareil pour un chef d'État, après qu'il ait fini consulter tout ce qu'on a ministre et tout ce qu'on a député et ben, différents conseillers, et il prend chacun son opinion, décision finale, c'est pour le chef, lui prend décision finale. Bah, ça, non, ben, le conseil qui lui gagne. Vous en êtes. Un chef de famille, décision finale, c'est pour lui. Mais c'est pas sa part de Dieu qui ne va pas prendre conseil, madame là, du tout. Non. Alors, problème qui s'y agit entre bébé avec fille. Au milieu de la haine personne qui en même temps vient garçon et en même temps vient déchir. Il y a un double rôle. En même temps, il y a un garçon pour son maman et en même temps, il y a un déchir pour son madame. Et problème arrivé quand maman et madame pas capable pour nous prendre sa double rôle là. Pas de capable accepter sa double rôle là. Soit qui maman lui fait un conseil qui consola bien résiste pour lui, ou bien qui madame là lui fait penser qui péché là bien résiste pour lui. Et il va être capable de comprendre qui péché là lui a un double rôle pour lui jouer envers deux personnes différentes.
est dans son hack, chacun est dans son droit, l'oli. Maman là dans son droit, l'oli, aussi bien que madame là dans son droit, l'oli. Et lui, je donne chacun son droit. Ah, après vous l'avez, après lui, donne chacun son droit, qu'il mérite. Mais dans l'autre, place qui est une maman et non dans l'équipe, un garçon, mais la personne ne pourra pas s'en passer. Mais la personne, mais dans quelle créature, mais dans quel insane, apporte par son roi Mohammed, son roi Mohammed, il s'en a. Il s'y a pas tout. Mais dans quel autre insane qui a pris sa place là dans l'équipe, un garçon. Et ça l'amour qui s'engorge là et non pour son maman, un amour unique ça. Un amour unique ça. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui pose des questions, elle dit nas ahab pour les rousses, sauf la vie, qui dit monde qui plus mérite, qui m'a besoin d'un livre pour l'attention, qui dit monde qui plus mérite, qui m'a besoin d'un livre pour l'attention, au monde, demain. Ton maman, ensuite qui s'en a, au bout, ton maman, ensuite qui s'en a, ton maman à trois reprises. Ensuite qui s'en a, ton papa, ensuite, pas de quitter pour changer. Mais la doute, l'islam qui donne maman une place spéciale, un droit spécial, un honneur spécial. Mais est-ce que ça veut dire qui nous disait aucun droit madame ou de sa maman. Est-ce que ça veut dire qu'il rassure pas sur la loi pour aller, il va se la dire à tout, mais néglige ton madame, la cause de maman. Ça m'a dit ça. Ça m'a dit ça, financer tout ça. Ça m'a dit rassure pas sur la loi pour aller, il va se la financer tout ça pour pratiquer. Alors parfois, au bout, ma maman, ma belle-mère, qui n'est pas capable de son garçon avec son belle-fille, de vivre bien, ensemble. De sortir, d'aller faire une petite promenade, de vivre ensemble avec la joie, de la gaieté, le contentement, ça fait ce qui est fait mal. Subhanallah. Ces enfants, ce garçon peut vivre bien avec son belle-fille, un ami heureux, un ami joyeux, solidaire et fédéral. Subhanallah. Comment est possible ça? Comment est possible ça? De l'autre côté, quand sa madame-là n'est pas capable de comprendre sa réalité là. Il va dire qu'on commence à réaliser l'année. Et tu crois qu'on est marié, mais Dieu ça est plus là, ça fait chez là, qu'il nous dise pour lui, il vient de lire sur la master. Il vient casser la chambre avec sur la master. Il vient qu'on dise moi, dis sur madame. Elle nous sommes tous. Aussi l'enfant qui nous parle, ça qu'elle est. Chaque membre de sa famille, chaque haine qui concerne, quand ça deux personnes, puis faire sa relation, puis prendre son engagement, puis avoir fait la pénurie, puis attendre à vivre un engagement ferme et solide, très important. Quand ça deux familles, puis jeunes, puis réunies, à travers son engagement, c'est chacun. Dans sa deux familles, par risque de limite, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à nous sans doute sa femme et vers l'éternel. Sans doute sa femme et vers l'éternel. Comme ça, même parfois, nous avons des problèmes. Urbaine famille, tu fuis, les vingt-trois
des choses dans la case. Limiter des choses. Votre femme, votre beau-frère. Les vêtements flattés, tu fais serre contre ce péché. Ou bien contre ce bel-dé, ou bien contre ce bel-dé. Parfois même, il y a 24 ans, tout le monde fait monter la tête, fait monter la tête, jusqu'à l'arrivée de moi qui dit, tu fais des signes pour des mandalas. Qui fait, mais il n'y a aucune raison, excepté qui, maman, c'est une vie de monter sur la tête dans la case. Ça est tout résolu. Ça est tout résolu. Parce que, maman a fait caractère pour sortir de vivre bien avec ses enfants. Les parents ont caractère pour sortir de vivre bien avec. Tu vis là, c'est bien. Les parents ont caractère. Donc tu trouves bien à le terminer des autres. Il y a la garantie avec Allah subhanahu wa ta'ala.
succès. La défaite, il va multiplier. Le salaire et l'arrivée. Allah subhanahu wa ta'ala, il préserve nous contre injustice et de l'étoffer pour lui donner chacun son propre afin qu'il vraiment nous évite les dérapages et les problèmes dans la vie des couples. Alhamdulillah, il a dit la demi-sorchade. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.